Eh bien salut tout le monde, c'est Adrien2x et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront sur PS4. Ouais c'est bien ça. Aujourd'hui on se retrouve pour le mode multijoueur sur la bêta. J'ai déjà commencé une partie parce que ces parties là sont vraiment longues. J'ai choisi une map très très grande, comme ça il y a la possibilité de conduire des vaisseaux spatials. Pour l'instant je fais du 8 en 7, voilà c'est pas très bon. Quand tu vois que le premier fait du 28 en 5, bon tu te dis ok. Voilà, regardez-moi rien que ça pour commencer les graphismes de cette bêta, de ce jeu. C'est vraiment incroyable. Je vais vous dire un peu toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire dans ce jeu et dans cette bêta. Alors pour commencer, voilà, je vais vous dire ma classe. Ma classe c'est un DH-17, donc un pistolet. En bas à droite, si j'appuie sur L1, je peux jeter des grenades. Et si j'appuie sur triangle. Oh, Luc, tu te calmes. Luc, je t'ai baisé. Allez, ça c'est fait. Voilà, mais on a la possibilité d'intégrer Luc. Et. Boum. On a la possibilité d'intégrer Luc et Dark Vador. Enfin, que j'ai pas encore eu hein, pour le moment. Alors, vraiment, je vous parlais de ma classe. Donc. Oh, les spawns là. Oh. Et regardez là. On spawn. Monsieur est là derrière là et j'arrive même pas le ken. Hop. C'est vrai en plus, j'arrive même pas à le baiser. C'est bon, il est mort. Hop là. Je vais avoir une charge. Donc ça c'est des jetons. Alors il faut les prendre. Comme vous voyez en bas à droite, nous avons 12 secondes pour avoir le vaisseau ou le genre de truc. Ça j'ai jamais eu. Voilà, on va direct se mettre en mode FPS. On peut pas dans ça. D'accord. Donc dans ça, on peut pas se mettre en mode FPS. Par contre, ça marche pas très vite. Hein. Ah si, on peut courir. Donc voilà, ça c'est mon camp en fait. Et ça va aller là-bas tout au bout. En fait, ils ont des genres de réserves ou je sais pas trop quoi. Qui vont... Qui essaie de me tuer là. Ah, c'est vraiment trop lent. Donc voilà, dites-moi tout de suite, je vais vous le dire tout de suite, dites-moi vite fait ce que vous en pensez de cette bêta dans les commentaires. Vraiment, profitez de la télécharger, la bêta elle est ouverte pour tout le monde jusqu'au 12 octobre. Donc vraiment, profitez. Ah bah, il y a des gens. Tiens, celui-là. Ah ok, ouais, j'ai pas fait long feu avec ça, quoi. Je suis vraiment une merde. Voilà, on va recommencer. Alors, à la base, Star Wars, c'est quoi? Alors, c'est un jeu de guerre, en fait, où on doit aller tuer ses ennemis, en fait. C'est vraiment la guerre de la galaxie. Voilà, là, je viens de avoir un truc. En fait, là, je vais monter dans le grand bazar que vous voyez là. Et je vais avoir la possibilité de tirer sur les autres. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment un temps. Si je le prends pas, le jeton va réapparaître. Donc à la base, c'est un... Ouais, ça a l'air d'être chaud en fait. Elle là, je tire même pas là. Ah là, je tire. J'essaie d'avoir des ennemis. Bon, il y en a là. Oh, ça a l'air d'être violent! Voilà, donc là, je vais m'en tuer. Donc, vraiment, à la base, Battlefront, c'est vraiment un jeu qui se joue normalement à la troisième personne. Mais là, EA Games ont voulu. Il me semble que c'est EA Games ont voulu refaire un Battlefront. Et vraiment là je joue à cette bêta, mais je suis vraiment pas déçu du tout, parce que depuis qu'elle est sortie, j'arrête pas de la violer, la bêta. On va essayer de sortir un peu pour vous faire voir. Je peux sortir, voilà. Donc voilà, je fais du 12 en 10, c'est pas terrible. Alors voilà, là cette arme là c'est quoi? C'est un peu un fusil à pompe sniper. J'appelle ça un fusil à pompe sniper parce que tout simplement... Non, il est chaud là. Parce que tout simplement, on peut viser, tirer de loin. Et vraiment, ça a vraiment une puissance
comme un pompe, ça tire comme un pompe, regardez. Hop, je vais tirer, ça tire vraiment comme un pompe. Mais voilà, là ça se recharge et après je vais pouvoir le reprendre. Et vraiment, il est. Cette arme-là, elle est vraiment violente, je trouve. Regardez là, hop, voilà, t'es mort, même si t'as pas tué. Hop. Enfin, vraiment, cette bêta m'a donné envie vraiment de précommander ce jeu parce que, bordel, il a l'air d'être vraiment hyper bien. Oh mon gars, il s'était caché. Et pas dans la poêle. La blague de merde. Oh, putain, il était bien ma blague. What the fuck? Je suis tombé dans le camp ennemi là. Allez, qu'est-ce que tu veux faire mon gars? Ah, par contre, lui, il va me l'autre. Grenade! Oh, j'ai fait le défoncer là. Oh, mais je l'ai même pas eu. Bon, je parle pas trop parce que j'essaie de me concentrer parce que tout à l'heure j'ai essayé d'enregistrer le gameplay et vraiment j'ai fait de la grosse dope parce que j'arrêtais pas de parler. Donc là voilà, ça va être la fin de la partie. Voilà, victory, donc on a gagné cette partie. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, cette courte vidéo vraiment sur Star Wars Battlefront. J'ai essayé de vous guider un peu si vous avez envie de tester cette bêta, profitez-en, elle est bonne jusqu'au 12 octobre, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, très rendu, c'est pas exceptionnel. Je vous invite à liker la page Facebook, la page YouTube, à t'abonner si ça te fait plaisir. Si tu veux voir d'autres vidéos sur Battlefront, en sachant que je vais le précommander et qu'il sort en novembre, enfin dans 40 jours maintenant, il me semble. Il y aura aussi des prochaines vidéos sur Black Ops 3, je l'ai précommandé aussi. Donc vraiment, il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements sur ma chaîne YouTube prochainement. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Allez, salut !